J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. L'épisode numéro 9, saison 3 de My Hero Academia. Hein, si je te dis All for One, tu te tais à tout jamais. Mais comment moi j'ai pu croire un jour que la saison, que tout simplement My Hero Academia, c'était un animé comme ça. C'est l'un des plus bels épisodes. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais l'un des plus bels épisodes que j'ai pu voir en 2018. C'est vraiment l'un des plus bels épisodes. Parce qu'il comporte et il compose tout ce que j'aime, en fait. Il compose presque tout ce que j'aime dans un animé, dans un épisode, hein, avec des trucs, des détails tout bêtes. Mais moi, j'aime beaucoup un repère. C'est-à-dire qu'il y a des méchants qui sont dans un repère, dont on ne sait pas où ils sont. Mais à un moment donné, tu vas savoir où ils sont. Et il y a un ami avec qui on est, l'un des meilleurs amis de notre héros, et lui, là, il lui arrive quelque chose. Il se fait kidnapper par les méchants. Hein, dit comme ça, ça a l'air bidon. Mais je vous dis la vérité, c'est... Ça regroupe vraiment tout plein de choses que j'aime. Alors si je peux résumer, c'est même pas résumer cet épisode, mais tout simplement dire ce qui me touche énormément dans l'épisode numéro 9, là, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, les mecs. Une ambiance... Tu vois de notre côté nos amis, là, les Midoriya et tout ça, qui avancent, et qui sont à la recherche, enfin, qui sont presque arrivés même à l'enclos, où à leurs yeux se trouvent les ennemis, les vilains. Et de l'autre côté, il y a les super-héros qui, eux aussi, ont fait leur plan en cachette. Et de l'autre côté, il y a la presse, hein, face à Eraser, machin, et tout ça, le directeur de l'école, ou je sais plus quoi. Et là, il y a... Déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous met une pression à l'école Yue. Donc, il faut rendre des comptes à la presse. Et Eraser, machin, là, il est déjà... déteste la presse, le mec, tu vois. Mais il réagit de manière très, très, très intelligente. C'est le début de l'épisode, on te met dans le bain de ce qui a pu se passer réellement. On évoque Bakugo aussi, et tu te dis, purée, ça fait peur. Parce que ce qui se passe actuellement, les amis, c'est chaud. Dans cette vidéo, je la fais d'une traite, hein. Je veux même pas la couper, c'est... Je veux vous retransmettre mon émotion en entier. Bon, en même temps, il n'y aura pas de montage, ça m'arrange, c'est sûr, mais c'est pas pour cette raison. Hein, du montage, c'est rapide, mais vraiment, parce que c'est un épisode qui m'a vraiment marqué. Il m'a vraiment marqué. Alors, on va en arriver là où vous voulez tous qu'on y arrive. Hein, est-ce que derrière, on voit ou pas? Ouais, bon, bref. Notre ami, là... Shigaraki, je crois. Ouais, Shigaraki. Bah, on apprend un peu de son passé. Hein. On apprend de son passé. Donc, on a l'air clairement de comprendre que lui a été abandonné. Enfin, son père ou sa mère ou ses parents ont été tués. Qu'il a été à l'abandon parce que personne n'est venu le sauver. Et il y a un mec qui est venu le voir en lui disant... Fiston, enfin, je le dis avec mes mots, mais du style... Écoute, mon ami... limite... ne t'en veux pas parce qu'on t'a fait croire que t'allais être sauvé. Limite, tu peux pas t'en vouloir, en fait. Et la personne qui l'a recueilli, Shigaraki, en fin de compte, vous savez, ça a l'air d'être qui? Ça a l'air d'être All for One. Donc on comprend mieux le lien désormais Shigaraki, All for One, le sensei, le boss de toute... cette organisation. De l'autre côté, hein, y a les brainless, hein, les bidules machin là, les petits monstres bidons. Et ce qui est, ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est tourné en plusieurs parties. On voit vraiment de chaque côté Shigaraki avec Bakugo là, tu vois vraiment. Et même le temps de l'épisode est tourné à des temps différents. C'est pas, il se passe ça, pendant qu'il se passe ça, il se passe des choses qu'on n'a pas vues et on revoit le présent de chaque scène. On voit vraiment là où on s'est arrêté dans chaque côté. Ça aussi, c'est bien foutu. Tu vois, quand Shigaraki s'est mangé une droite par Bakugo, on voit vraiment, il est encore comme ça, tu vois. Et que dire de Bakugo qui ne se laisse pas faire, qui est face au vilain, super vilain, machin truc, et qui n'abandonne pas le mec. Il abandonne pas le mec. Non, chapeau. Chapeau. Bon,
au moment, et le timing a été très bien fait, au moment où Shigaraki avait dit, bon, limite endormez Bakugo et on va faire ce qu'on a à faire. Donc là, Bakugo est en train de réfléchir. Il se dit, j'ai beaucoup aimé cette séquence parce qu'elle fait la transition avec ce que vous savez. Et Bakugo, sur le coup, il est en train de se dire, si j'en tape deux, eux, ils vont pas me tuer, ils sont pas dans l'optique de me tuer, étant donné qu'ils veulent me manipuler. Ensuite, je pourrais m'enfuir, etc. Et au moment où ça y est, il arrive, on entend pizza, je sais pas quoi. Et d'un coup, All Might qui fait son apparition. Le symbole est marrant parce qu'il tape l'autre, là, le lézard machin, qui en fin de compte suit la logique de Stain, qui lui aime All Might. Et ils se mangent une pêche par le héros qu'ils admirent ensemble. Enfin, quoi. Et là, il y a Shigaraki qui lance un regard à All Might. Enfin, un regard. On voit pas son regard, mais... Et tu te dis, attends. Il est face, en fait, à celui qui, normalement, n'a pas sauvé ses parents, pardon. Et Shigaraki, là, il a une haine immense envers All Might. Hein. Depuis, je pense, parce que ça y est, ça a l'air d'être clairement prouvé, qu'il a été abandonné, que ses parents sont morts et que All Might n'a pas pu les sauver. All Might vendu comme celui qui sauve tout le monde, cette haine vient de là. Je pense qu'il y aura un petit changement à l'avenir et que Shigaraki va peut-être revenir du bon côté à l'avenir. Peut-être, il y a moyen, parce que c'est pas un méchant qui est méchant parce qu'il veut être méchant, c'est un méchant qui l'est parce que la société qu'on lui a vendue n'est pas celle qu'il a connue quand, voilà, hein, les épreuves qu'il a vécues, etc. De l'autre côté, les super-héros sont des super-héros. Hein, je vous le dis, les mecs. Hein. On parle pas de bébère qui arrive en bicyclette et qui se mange une rouste. Non. Là, on voit All Might, Underazor, là, je sais pas quoi, le père de Shoto. Grand Torino. Quel charisme! Quel charisme! Grand Torino, tous les super-héros sont venus, ils ont foutu une raclée au super-vilain. Et là, jusqu'à là, tu te dis, c'est beau, mais moi je savais. Moi je savais qu'il allait y avoir un truc bizarre. Tu peux pas, dans une histoire qu'on nous raconte, tu ne peux pas arriver et résoudre tout le mystère, là, tranquille, alors voilà, on prend Bakugo, on se tire, on prend les super-vilains et on les emmène en tôle. C'était pas possible. Shigaraki, il est créé pour nous montrer des choses, hein, etc. Donc, Shigaraki, qui avait sa colère de ouf, commence à dire à quelqu'un qui était dans l'hangar avec tous les brainless, envoie-les, envoie autant de brainless que tu peux. Et là, tout avait été manigancé, tout avait été fait proprement pour que, en fin de compte, les brainless, tous ceux qui étaient là-bas, là, se fassent massacrer aussi par d'autres super-héros sur le terrain. Et ça a été très très lourd. Très très bien foutu. Tactiquement, c'était parfait. Mais c'était à en oublier. All for One. Et là... oui, mais bon, là, c'était chaud. Là, c'était chaud parce qu'on a clairement vu quelque chose de ouf. Quand on était dans le hangar, enfin, pas dans le hangar, pardon, dans le genre de bar, là, dans le bistrot de Shigaraki et tout ça, d'un coup, au moment où ça y est, ça allait être fini, il y a eu la haine, et puis c'était le timing encore a été bien apporté à cette scène. Shigaraki, qui commence à lâcher toute sa haine envers All Might en disant... Ce n'est que le commencement, ce n'est pas la fin, là. Ce n'est que le commencement, et tu vois, il commence à lui dire limite qu'il le déteste. On peut le comprendre en soi, hein. Il a perdu peut-être sa famille, et on lui a vendu que les héros allaient venir, il peut que haïr les super-héros, et cette société en soi. Et au moment où il allait les péter un plomb, il y a un genre de gadou visqueuse bizarre là, qui faisait sortir des brainless. Et là, tu te dis, mais ça sort d'où? C'est quoi ce délire? Et ce qui s'est passé, c'est que même de la bouche de Bakugo, ça l'a fait disparaître. Donc j'imagine que c'est un pouvoir, un alter de All for One. Et tu te dis, attends. Là, ça y est, tout était beau, tout était bien, et tout commence à partir en vrille. Et c'est là que la fin de saison va vraiment commencer.
avec de la bagarre, avec tout ce que l'on sait. Attendez, le moment où Bakugo a disparu, le regard et le cri de All Might, c'était fort, c'était énorme, c'était un moment des plus marquants de cet épisode, parce que tu ressens le super-héros qui est dans la défaite, en fait, quelque part, qui limite s'avoue vaincu. Ils étaient venus pour sauver Bakugo, et Bakugo, bah, ils peuvent pas le sauver. Donc là, ça ne sert plus à rien, faut faire quoi? Les tuer, les... Et là, tu pètes un plomb, tu te dis, oh non, il est où, et tout ça, et Bakugo, on n'en a pas fini. Moi, je croyais qu'ils allaient le récupérer, mais non. Mais non. On voit ensuite, quelques minutes avant, parce que j'ai vu l'épisode même après le générique, ah, je me suis pas fait avoir, mais bref, je vous raconte après ça. On voit les quelques minutes avant ce qui s'est passé au niveau du hangar, là où sont Midoriya, nos potes, la Shoto et tout ça. Et même ils avaient regardé, mais en fin de compte c'est bien parce que eux ils ont pas vraiment interféré dans le délire. Hein, parce qu'ils auraient pu gâcher le plan, et on leur aurait remis toute la faute sur eux. Donc là c'est bien, ils sont chacun, ils étaient presque en train de faire quelque chose jusqu'à ce que tout s'est bien fait comme je vous ai dit. Et là... On voit, au moment où on croyait que c'était fini, All for One. Il arrive, il se fait prendre dans le truc de je sais pas qui, là, comment il s'appelle, Jean machin, là, qui fait des fils, là. Il lâche un pouvoir, déjà tu vois des lumières, des trucs électriques rouges, tu as compris, hein. Quand tu vois ça chez un méchant, c'est qu'il n'y a pas ailleurs. Bref, il exprime aussi qu'il a pris l'alter, qu'il lui en reste moins qu'avant. Donc il est affaibli par rapport à son summum de l'époque, qu'il a pris l'alter, parce que n'oublions pas que All for One, si je me trompe pas, c'est l'alter qui prend des alters, un truc comme ça, hein. C'est vraiment, voilà, il s'additionne, hein. Pour ceux qui regardaient Heroes avant, c'était un peu le pouvoir de Nathan Petrelli, ouais, je crois que c'est ça, bref. Il prend les alters, donc il a plein d'alters, le mec, il peut te faire une omelette sans les mains. Non, plus sérieusement, on a eu vraiment un impact de ce personnage comme on l'a jamais eu dans cette saison, dans cet épisode, dans cette saison plutôt, ce que je raconte. Et là, comment il s'appelle, pas Bakugo, Midoriya Izuku a senti la mort quelque part. Il s'est même vu. Il a vu les siens comme une séquence, comme s'ils étaient morts, tellement l'aura de All for One était impressionnante de folie, de oufissime attitude. Non, vraiment, c'était un épisode de fou, quoi. Ouais, je vous le dis en chuchotant, il est tard. Non, c'est un épisode de fou. Ce que je retiens, hein, des petites choses que j'ai bien aimées, c'est lorsque les médias parlent au prof de Yue là et au directeur, à un moment donné ils évoquent, et c'est intelligent, là le fait que Bakugo soit un peu foufou, que voilà, il est très en colère, qu'il est limite un peu malade mental, quoi, le mec. Et ils ont dit, les vilains l'ont pris, c'est l'un de nos plus puissants futurs super-héros qui se veut être à l'avenir. Et en fin de compte, celui-ci a été pris par l'ennemi, ils peuvent lui tourner la tête et en faire de lui un vilain. Et la réponse de Eraser, qui était sublime en disant « oui, il est très fort, oui, truc, c'est celui qui se surmène le plus pour être le plus fort, mais, limite, vous vous trompez, il ne sera jamais ce que vous êtes en train de dire, hein, vilain, etc. » Et puis il est conscient aussi de ce que sont les élèves. Attends, j'espère que le micro il est activé là. Ah ouais, parce que j'allais pleurer. C'est un épisode de fou. All for One, ils s'attendent à lui, hein. Ils s'attendent à ce qui va venir. All Might et Grand Torino, son ancien boss, ont demandé même à Shigaraki, où est ton boss? Ils savent qu'il va arriver, donc ils sont préparés et ils veulent l'affronter. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, moi, je m'étais dit, avant cet épisode, je pense que si All Might était un vrai héros, il aurait dit, on fait un échange. Étant donné que c'est moi que vous voulez, vous nous rendez Bakugo, et moi, je viens à la place de Bakugo, et de l'intérieur, il aurait tenté des choses. Je pense que, en fin de compte, ça n'a pas pu être... Ça ne peut pas avoir lieu. Donc...
ce qui va se passer là, c'est qu'on, logiquement, je vois bien One for All arriver, peut-être pas directement dans l'épisode prochain, mais on va le voir quand même. Peut-être que je vois bien... c'est pas One for All, pardon, c'est All for One. All for One, je me suis trompé juste avant. All for One va arriver, et peut-être qu'il va y avoir une... pas une confrontation, mais on va dire un petit... petite discussion avec Midoriya. Histoire de marquer le coup avec le successeur du One for All, quoi. One for All, All for One, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ensuite, intervention de All Might. Discussion, choc, combat. Et n'oublions pas que All Might, malgré sa puissance, etc., son temps rétrécit de plus en plus. Et je vois bien qu'il, dans un moment où on s'y attend pas, hein, bien entendu, comme d'hab, qu'il soit mis en gros danger. En gros, gros, gros danger. Et qu'en fin de compte, bah, c'est à Midoriya de prendre la relève. Moi, je me demande comment va se finir cette saison, étant donné que, de l'autre côté, l'anime continue, enfin, le manga continue loin devant encore. De ce que les gens disent, ça continue. Donc, est-ce qu'en fin de compte, All for One va mourir, Shigaraki va... Peut-être que ça va se terminer sur un suspense de malade après, on sait pas. Mais vraiment, c'est... je suis désolé, cet épisode m'a touché, m'a marqué, il y a trop d'éléments, il y a trop de choses magnifiques. On sent le danger. Alors là, on le sent, le danger. La découverte de leur planque des super-vilains aussi, je m'y attendais pas, perso. Perso, je m'y attendais pas. Pour moi, les super-vilains s'y attendaient. Et en fin de compte, ça veut dire qu'ils ont très bien joué le coup, les super-héros, parce qu'ils ont fait exprès de passer à la télé le reportage, enfin, les médias vs UA, et les paroles du directeur et tout faisaient croire qu'il y avait une difficulté dans l'enquête, qu'on savait pas trop vers où se diriger, et c'est comme ça qu'ils se sont bien, en fait, infiltrés. C'est... En fin de compte, le plan a échoué. Le plan a échoué. Et là, il y a plein de brainless, il va falloir se battre avec eux. One for All va arriver. All for One, pardon, moi c'est super compliqué à dire. Et ça va être ce bull pas possible. Voilà les amis. Quel animé. Je ne pensais pas, vraiment j'aurais jamais pensé, je vous dis la vérité, que ça aurait été un truc de ouf comme ça. Je vous dis la vérité, pour moi, j'allais même pas la regarder directement cette saison. Et ben là, je ressens presque autant d'émotions que quand je regardais l'attaque des Titans. À certains moments, je sais pas, quand il y avait la chanson, qui est le super héros arrivé, qu'ils étaient prêts et tout, que tout était bien, les coups, stratégiquement, c'était parfait. J'ai trop aimé. Ah, j'ai trop aimé, c'était sublime, magnifique. Tu mets un like si t'as bien aimé cette review. Parce que là, j'étais obligé. Hein. La semaine dernière, j'en ai pas fait une parce que... Bon, ils sont bien, les épisodes, mais vraiment, là, j'étais fortement, obligatoirement obligé. Et rien que pour ça, les amis, on like. Et n'hésite pas à partager si t'aimes bien. À lâcher ton commentaire pour dire ce que t'as pensé de l'épisode, aussi de la review. Et voilà, abonne-toi si c'est pas encore fait. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Aïe.